à plusieurs missions, parmi lesquelles la formation du footballeur, l'initiation, et aussi la formation au métier lié au football, parce qu'il faut diversifier l'expertise. Il s'est posé toujours un problème de communication autour des clubs. Il fallait maintenant poser les bases pour remédier à cette situation. Et c'est dans ce sens qu'avec les experts de la communication, les grands experts de l'ESTIC et ceux de la CRTV, nous avons pu organiser ce séminaire. Et je pense que c'est un grand travail qui a été fait. Nous venons d'achever 3 jours d'intenses travaux de séminaires de recyclage et de formation des team press et officiers press organisés par l'Académie nationale de football. À l'issue de cette séance de formation, nous avons beaucoup appris. Nous avons pu faire le distinguo entre un team press et un journaliste parce que par le passé, on mélangeait tout. Et au sorti de ceci, nous sommes désormais aptes à être utiles pour nos différentes sélections nationales et pour nos clubs amateurs et même professionnels. Et à l'issue également de ce stage, il nous a été recommandé d'aller expliquer le bien fondé d'un team press ou d'un officier press à ces différents responsables des structures sur le plan local et même dans la sous-région. Ceci permettra d'organiser la communication autour d'un club, autour d'une équipe nationale ou alors autour d'une association sportive. Parce qu'on s'est retrouvé souvent avec des gens qui communiquent à tort et à travers. Or, il faut un seul interlocuteur qui doit permettre la communication avec l'extérieur pour qu'il y ait la bonne information. Or, c'est un séminaire qui a été justement enrichissant, complètement enrichissant, parce que, il faut le dire, le travail de media officer, parce qu'on appelle généralement ça au Cameroun team press officer, mais officiellement ou bien sur le plan international on appelle ça media officer. C'est même ce que nous avons appris parce qu'habituellement au Cameroun on parle de team press officer. Donc ce métier de media officer ou bien de communicateur d'une structure ou bien d'une entreprise est un autre travail différent, totalement différent, n'est-ce pas, du journalisme que nous faisons.